firage, oh, y'a firage. Yes, c'est le gâtima, gâtima. Prince TV. Bonjour, chers abonnés de Prince TV. Alors, il se pourrait que DJ Arafat ait agressé un collaborateur de Moulah Oumar, un collaborateur de M Group, et je pèse très bien un mot, j'ai dit aurait, je n'ai pas dit qu'il a, parce que jusqu'à ce jour, c'est vrai, l'information s'est multipliée sur les journaux web, l'information s'est multipliée sur les réseaux sociaux, mais Arafat n'a pas encore réagi. J'ai fouillé les comptes web de Moulah Oumar, il n'a pas encore réagi, à part le concerné qui a, voilà, qui a mis une photo et une plainte. Bon, pas vraiment une plainte en tant que telle avec des noms, mais quelque chose, un récépissé de plaintes. Alors, en effet, il s'agit de Soumangourou Kanté, voilà, qui travaille avec Moulah Oumar, qui a contribué au Primude. Selon la scène décrite, Arafat est toujours fâché contre le Moulah, et pour ne pas aller directement au Moulah, il passe par ses, comment on appelle ça, ses collaborateurs, il les agresse. Voici ce qui a été décrit comme scène. La scène se passe au haut niveau discothèque à Abidjan. Voilà, Soumangourou Kanté, qui a été joint par certaines personnes, dit que Arafat l'a trouvé devant le haut niveau. Il lui a dit, ouais, c'est vous qui travaillez avec Moulah là, non? C'est vous les maudits, nanani, nanani. Attends-moi ici, je reviens. Et il allait mettre ses bagues très pointues, ses bagues. Et il a agressé. Ils ont utilisé même le terme poignardé. Voilà, il a botté, il lui a fait du sale. Et voilà, là on voit une photo de Soumangourou Kanté très très amoché avec un récépissé de plaintes. Et DJ Arafat derrière. Bon, jusqu'à ce jour, comme je disais au début, aucun des trois n'a réagi, à part cette photo qu'on voit et le truc du récépissé. Voilà. Si l'information s'avérait vraie, c'est vraiment dangereux pour DJ Arafat, parce qu'on sait qu'il a déjà une affaire en cours avec la famille Naï qui est en suspens, qui n'est pas terminée. Voilà, donc je me demande déjà si c'est vraiment vrai, puisque l'information est encore à l'étape embryonnaire. On ne sait pas s'il a vraiment fait, mais c'est une information. Voilà, c'est à prendre avec les pincettes. S'il a vraiment fait, donnez-nous vos avis déjà. Est-ce que ça va pas compliquer son dossier concernant l'affaire Naï? Est-ce que ça va pas l'empêcher de poursuivre son album Renaissance qu'il sort et il compte sortir dans quelques jours? Est-ce que ça va pas lui... Voilà, trop de choses. On espère, en tout cas, on attend de voir la suite de cette affaire. D'ici là, donnez-nous vos avis en commentaire et bien des choses pour votre journée. Prince TV.